Donc on est une famille de Français, on arrive de Nice et on est là depuis une semaine. Tout se passe bien, il fait très beau en Ouzbékistan, c'est notre premier voyage. On a préparé ça avec Narina, c'était une très belle préparation, très facile, un contact très facile, toujours disponible. Et puis depuis qu'on est arrivé, tout se passe bien, les consignes sanitaires sont plutôt respectées. On demande de mettre le masque un petit peu partout. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est magnifique, c'est très très beau. Tout est à voir, profitez-en pendant qu'il n'y a pas trop de touristes. C'est encore plus beau sans les touristes. Je ne devrais pas dire ça, mais c'est vrai. Nous sommes allés à Khiva, à Boukhara et nous venons d'arriver à Samarcande. Voilà, on mange très bien en Ouzbékistan, tout va bien. Et les gens sont très très accueillants, donc c'est un vrai plaisir de passer ce moment ici. Je pense que tout était très bien expliqué, enfin, dans la liste que vous nous avez fournie, que l'agence nous a fournie pour préparer sa valise, tout était parfait. Il y avait juste à suivre. N'oubliez pas votre crème solaire. Sur la nourriture, on mange plutôt bien depuis qu'on est arrivé. On a goûté un petit peu toutes les spécialités. Et sur la partie sanitaire, les gens font très attention, donc pas d'alerte particulière. Bien sûr, on a dû faire un test PCR. On est vacciné. On a dû faire un test PCR quand même pour rentrer en Ouzbékistan. On devra en faire un pour partir d'Ouzbékistan. Mais tout est organisé aussi par l'agence, donc c'est très très facile. Honnêtement, venez. Venez. On peut aussi ajouter peut-être que le pays nous semble en tout cas très sûr. On n'a pas du tout de sentiment d'insécurité. Les gens sont très sympathiques. Très accueillants. Très accueillants, très ouverts. Et donc on se sent très bien, on se sent comme à la maison. C'est un très bon choix de voyage.